Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui palissent, le DVD fatigué, le scanner cassénaire, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande: quel est votre problème? Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je lui dis: soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer. Allez-y. J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qu'a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur est ta sœur. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit: je préfère ta bécane, alors chez toi fais-moi surfer. Hélas, ma machine est en panne, que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, ouais. Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, pas le dur. Modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lent, la cartouche qui se touche et les buses qui abusent, oh, les polices qui palissent, le DVD fatigué, le scanner cassénaire, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme, oh. La mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros, oh. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta sœur. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, les objets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, l'MS-DOS qui a des bosses, les menus magnifiques. Le logiciel, mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Ah mon Dieu, c'est affolant toute cette informatique, ah mon Dieu, c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans?